Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Oups. Pardon, c'est les musiques à ma fille, ça me rentre dans la tête et ça part plus. Voilà, je suis désolé. Oh yeah les potos et les potettes! Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que j'ai sorti ma dernière vidéo? 3 jours? 4 jours? Eh ouais, hein. Je suis chaud. Je suis là, ma gueule. Bon, ouais les amis, alors, vidéo, je suis un peu dégoûté, parce que si vous voulez, pendant 3-4 jours, j'ai bossé mon chien, bon, en fait, je l'ai bossé, parce que je vais commencer, en fait, j'allais commencer surtout, j'allais commencer l'école cynophile avec mon chien. Alors jusqu'à aujourd'hui je l'avais dit je vous l'avais pas dit tout simplement. Je l'avais dit à 2-3 personnes qui m'avaient posé la question en commentaire ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup les amis, j'avais bossé mon chien, et le jour même, le lundi même, qu'est-ce que j'apprends? Que il faut un pass sanitaire pour pouvoir emmener son chien à l'école. Un pass sanitaire à l'extérieur. Le masque n'est même pas obligatoire à l'extérieur. Tu me parles d'un pass sanitaire à l'extérieur. Mais je comprends plus rien. Et en plus, le pass sanitaire, normalement, c'est pour les établissements à plus de 50 personnes. Alors, vous m'arrêtez hein, si je dis une connerie. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris à la télé. D'accord? Quand Macron il a parlé, moi c'est ce que j'ai compris. Après, de toute façon, avec Macron, c'est jamais clair. Ce mec, franchement, quand il sort à la télé et il parle, mais il parle chinois. Voilà. Il y a pas d'autre mot. Il parle chinois, le gars. Il ose pas nous dire tout simplement, vous avez besoin de si vous devez faire ça, ça, ça. Non, il le dit jamais. Il le dit, mais en mode, vous le comprenez pas, tu vois. Vous le comprenez pas. Et après, c'est son ministre là qui parle, je sais pas quoi. De toute façon, Macron, hein, petit mouton des Européens. En fait, Macron, il prendra jamais une décision pour quelque chose. Il suivra tout le temps. Il suivra. C'est du verbe suivre. Bref. En tout cas, il va toujours suivre les autres. Voilà. Qu'est-ce que les autres font? Ah ouais, bah vas-y, on va faire ça aussi en France. Qu'est-ce que les autres? Ah, lui, il fait ça. Bah vas-y, on va faire ça. Ouais, bon, bref. Les amis, je suis pas là pour parler de politique ou je sais pas quoi, ou de Macron, je ne sais quoi. Je suis là pour parler de ma vidéo. De ma vidéo, tout simplement. Voilà, c'est tout. On s'en fout de Macron et du vaccin et du pass sanitaire ou je ne sais quoi. Moi, plus tu m'obliges à faire quelque chose et moins je le ferai, d'accord? Moi, personne m'oblige à faire quelque chose. J'aime pas ça, je déteste ça. Personne me donne des ordres. C'est comme ça. Bref, les amis. Alors, j'avais bossé mon chien. Et là, j'ai des séquences que je vais vous montrer, bien sûr. Voilà, je suis dégoûté, j'ai pas pu aller à l'école. Du coup, bah là, j'ai arrêté de le bosser. Hein, j'ai arrêté de le bosser. On va voir à l'avenir, une fois qu'il y aura plus le pass, si je peux encore aller à l'école ou quoi. Je pourrais faire des belles vidéos. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer pendant les cours à l'école ou quoi. Ça, je sais pas encore. On verra. Bref, les amis. Alors, déjà, on commence avec l'exercice de la marche au pied. Avec la laisse. Réalisateur, mets-moi les images. Là, ça va être dur là. Pied. C'est bien, pied. Bravo. Bravo mon grand, c'est bien ça. C'est bien. Pied. Pied. Voilà. Assis. Oui, c'est bien ça. Bravo. Et là, je reste combien de temps comme ça? Jusqu'à que tu veux y aller. Ah, je peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Merci. De rien. Oui, c'est bien mon grand. Le demi-tour, je le fais de la même manière? Même manière. Hop, 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 là, ici. Oui, voilà. Pied. C'est bien mon grand. C'est bien. Pied. Oui, c'est bien.
Pied assis. Correct. Correct. Là. Correct. Là. Comme ça. Voilà. Oui, c'est bon. Ok les amis, après, vous avez l'exercice de la marche au pied sans la laisse, réalisateur les images. On fait la même chose, on est d'accord hein. Ça arrive juste comme ça. Stop. Stop. Back. Back. Et toi, allez gars. Pied. Oui, c'est bien mon grand. Pied. Oui, c'est bien. Couché. Alors les amis, c'est pas toujours facile, mais il faut garder sa patience. Ouais, parce que des fois c'est pas facile quoi. Réalisateur, les images. Correct. Oui, les gars, tout de suite. Là, j'aurais pas dû m'arrêter. Merde. Voilà, voilà, c'est bien. C'est bien. Les pieds. 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 Il est là, il est là. Là, il est là. Là, bas. Bas. Après, les amis, il faut faire un blocage assis ou couché. Alors le blocage assis, c'est plus difficile. C'est vraiment le plus difficile. Le couché, il est plus facile. De toute façon, là, vous allez voir. Le assis, bah, ça va pas marcher. Et le couché, par contre, j'ai réussi. Donc, réalisateur, les images. Pied. Là. Pied.
Et il assis. 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 Recule. Après les amis, vous avez l'exercice du porte et du lâche. Alors là, sur cet exercice-là, j'ai un peu merdé parce que je savais pas. Il fallait lui faire une seule fois le porte et le lâche. Je savais pas qu'il fallait passer à autre chose en fait après. Mais voilà quoi, les images. Porte. Oui, lâche. Oui. Et porte. Oui. Très bien. Balle, balle. Après, vous devez lancer l'objet et votre chien va vous le rapporter. Sauf que vous avez des mots spécifiques, comme ici le apporte. Et moi, vu que je l'ai toujours éduqué en turc, ici en fait il me comprenait pas. À la fin de cette séquence là, en fait, je lui ai dit. Je lui ai parlé en turc et il me l'a rapporté l'objet. Sauf que mon caméraman très doué a coupé la caméra. Eh ben bravo, j'ai envie de te dire. Eh ben vous avez pas vu la fin de la séquence. Vous avez vu dans quelles conditions on me fait travailler. C'est incroyable. Réalisateur, les images. Deuxième essai, les amis. Là, on a réussi. Yeah. Pardon, les images. Et pour finir, on a échangé les chiens. Moi, j'ai pris le chien du maître des bergers blancs suisses. Bon, les gars, j'ai plus envie de dire maître des bergers blancs suisses. Ce gars-là, il s'appelle Thomas, d'accord? Donc, de toute façon, il y a que les vrais qui me suivent en vidéo. Il y a que les vrais qui, prochaine vidéo, quand je dirai Thomas, ils vont comprendre que c'est les maîtres des bergers blancs suisses, hein? Bref, donc Thomas, j'ai pris son chien. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a voulu tester votre chien à vous. Pour lui, vous serez toujours un peu le méchant. Parce que voilà, vous le grondez, vous lui donnez des ordres. Et les autres, bah, ne lui donnent pas d'ordres et tout. Donc... Il aura tendance à plus écouter les autres que vous. Donc là, on a échangé les chiens pour voir comment ça va marcher. Moi, j'ai pas vu une grosse différence. Ça a bien marché avec son chien. Ça a bien marché avec le mien aussi. Franchement, si j'ai un truc à dire, je suis fier de mon chien. Vraiment, je suis fier de Leïs. Il apprend quand même assez vite. Pour pas oublier, les Rottweilers sont des chiens très très intelligents. Mais putain, mais des fois... Quand ils ont pas envie d'écouter. Oh mais c'est pas possible. Parce que moi des fois je le vois en balade. Hein. Des fois il a des boules caisses dans les oreilles. Et ça m'énerve quand il le fait. Quand il fait ça, ça m'énerve. Voilà. Bon réalisateur, les images.
Non. Tu vas voir, Lys. Parce que là, t'écoutes bien. Hein. J'espère que. J'espère que sur les images avec moi, t'étais aussi comme ça, Lys. Hein. Je m'en rappelle plus trop maintenant, mais. T'as intérêt à bien m'écouter, enfoiré. Regarde comment il écoute bien, son enfoiré. Ah, ok. Je me fais bouffer par les moustiques. Je me fais bouffer par les moustiques. Oups, j'ai perdu. J'ai perdu les images, j'ai envie de te dire. Tu te calmes. C'est bien, Lys. Lys, Lys, non. C'est bien, bon. C'est bien, Lys. C'est bien, Lys, bravo. Attends. Bravo, allez, viens. Garde, garde, gauche. Gauche, Arlo! Gauche! C'est bien!